Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Et vous? Ça va, ça va. Fatigué un peu, hein? Ouais. Attends, attends. On parle de demain. Pas aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Je suis fatigué. C'est le décalage horaire? C'est difficile, hein? Un décalage, les entraînements, tout. Et ça va. Mais aujourd'hui, c'est le jour de sauver ma journée. Donc, j'ai besoin de faire ça. J'ai vous fait ça aussi. Parce que c'est un plaisir pour parler avec vous. Et pour montrer un peu qu'est-ce que c'est ma vie. Donc, on va profiter beaucoup aujourd'hui. On va rigoler. On va parler sérieusement. On va faire tout. Parce que aujourd'hui va être une journée intense. Avec 12 entraînements. Avec plein de choses pour faire. C'est un plaisir pour partager ce moment-là et cette journée avec vous. Alors David, c'est quoi tes premières impressions ici à Los Angeles? Très bien, c'est une ville très très belle avec plein de choses que j'aime beaucoup, la plage, le soleil, tout, le surf, les skates, toutes les choses comme ça. J'aime beaucoup l'adrénaline. Mais on est là pour travailler. J'espère pour revenir ici un jour pour la vacance et profiter beaucoup. Je suis très motivé pour la saison, très motivé pour tout. J'ai faim de ballon parce que j'ai passé plein de jours au Brésil sans toucher le ballon, donc j'ai faim de ballon. Mais j'ai faim aussi de la nourriture normale. Donc, on y va là parce que je vais manger. Tu peux nous montrer ta chambre un peu, la vue? Pour dire pour tout le monde aussi, avant j'ai fait la hygiène, j'ai, comme je dis, j'ai lavé mes dents, lavé la carte. J'ai pas touché mon cheveu parce que parfois il vous restez comme il est réveillé. Donc, c'est ça. C'est ça, ma chambre. C'est pas mal, hein? La marine. Elle est... Elle est la marine. Mais on y va travailler. Allez. Ok. Bonjour, Bim. Je suis gros. Be careful. Et maintenant, c'est la police là-bas. Fini. Ah bah oui. Et on y va au terrain maintenant. Maintenant c'est dur. C'est pas comme manger bien. Maintenant c'est dur. Il fait chaud là. Hein? Trop chaud. Hein? C'est comme Brésil, mon gars. C'est ça. On va profiter maintenant. Un peu de soleil, la plage, le surf. Non. Entraînement très dur. Entraînement, mais ça va. On y va là. Regarde un peu le football. À tout à l'heure. À tout. Voilà, cet après-midi. Hein, voilà. Tu les connais, toi, les affiches. Voilà. Et tu, comme tu connais, c'est toi qui es malheureux. Un petit peu, un, deux, trois, hop, rapide, hop, c'est bien. Et la suivante. Un, deux, trois, hop, hop, ok.
Allez. Hey. Oh, non, 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 ah le ballon! Ballon là, à sauter. Génère! Oh là 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 là! Ouais. On y va. On va reposer un peu, mon ami. Sinon, c'est pas possible. Pour... Je sais pas, l'entraînement, c'était pas midi de lui. Ouais, ça va être dur. Ça va être très dur. Il a dit que ce matin, c'était facile. Non, facile, non. J'ai dit, là, c'est tranquille. C'est facile, c'est facile. Non, dit, non, c'est différent. Non, très bien. Ça entraîne très bien et l'équipe s'entraîne dur et fort. Ça va être pas tranquille, mais ça va être très bien. Là, on va aller faire une petite visite à Andy. Mano! Comment ça va, Mano? Comment ça va, Mano? Alors, qu'est-ce que vous faites d'habitude en stage quand vous vous retrouvez pendant les temps de repos? Ça dépend. La précision, c'est un peu plus difficile. On est fatigué, donc normalement, on va reposer un peu, non? Dormir, tranquille. Eddie, c'est la machine, donc Eddie, il n'a besoin pas dormir. Parce qu'il peut courir, il peut entraîner 4-5 fois par jour parce que c'est un monstre. C'est vrai? C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Dans les moments de liberté comme ça, j'ai besoin de reposer un peu, après manger, je reste tranquille à la chambre, j'écoute la musique, je reste ici. Quelle musique? Celle... Vous êtes Uruguay? Uruguay, oui. On a de bons métiers. Parfois il vient à ma maison, parfois je vais à la maison de lui. Elle dit que c'est une personne que j'ai beaucoup d'admiration parce que c'est un garçon simple, un garçon que j'ai jamais perdu la haï. Comment on dit? Haïzes. Les jamais oublié de. D'où il vient? De la chose. D'où il vient? D'où il vient? D'où il vient? Donc, c'est ça qui me donne plaisir pour regarder un garçon qui est arrivé au top au football et mais continue avec le père à sol, tranquille, et travaille tous les jours comme un joueur de 18 ans avec la première opportunité au football. Donc, c'est un exemple pour moi professionnel et comme personne aussi. C'est pour ça que nous, c'est tout le temps, comment c'est dit? Ensemble. Ensemble, oui. Parce que vous êtes tous les deux pareils, vous êtes simples tous les deux. Oui, je ne sais pas si c'est ça. Je pense que c'est des choses que... Non, je pense qu'on pense la même chemin dans la vie. C'est le même chemin. C'est ça que qu'on peut rester ensemble. On parle de la même chose, la même culture, la même chose, la même manière avec la famille, avec les amis. Quand je regarde lui avec la maman, c'est comme moi avec ma maman. Donc c'est ça la chose. C'est un peu, on est dans différents pays, mais c'est comme on a la même éducation.